ce que j'aimerais dire à un jeune qui aimerait se lancer en recherche, c'est de vraiment suivre sa passion, aller au bout de ses objectifs, au bout de ses rêves, de ne pas perdre le cap, en fait, de toujours suivre ses ambitions. Ultimement, j'aimerais que les données qu'on génère en recherche fondamentale puissent être utilisées pour, dans le meilleur des mondes, éradiquer certaines maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou la chorée de Huntington, ou même ne serait-ce qu'améliorer les traitements pour les patients qui souffrent de ces maladies neurodégénératives. Une personne qui m'a inspiré au plan scientifique, c'est certainement mon père qui travaillait aussi en recherche. Donc, étant tout jeune, j'ai vu l'énergie qu'il mettait dans son travail, la passion aussi qui émanait de son travail. Donc, ça a certainement teinté, je me suis certainement imprégné un peu de cette passion-là. Si j'avais à choisir une autre carrière dans un domaine autre que le domaine biomédical, je pense que j'aurais choisi une carrière en musique parce que c'est l'autre, disons, passion qui m'anime. C'est sûr que c'est un côté beaucoup plus artistique, la guitare, mais quand même, il y a certains parallèles à faire avec la recherche, surtout en neuromorphologie, où on doit souvent illustrer certaines de nos observations par des schémas qui sont assez artistiques parfois.